Salut vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous vous faisons un papier N2 de octobre-novembre 2021. C'est la base D, mathématiques, Cambridge O Level. Alors, passons en question à les mots N. Nous besoin bien sûr passer à vie une calculatrice. Tu fais toutes questions avec ton plein blé ou soit non. Non. Projet A, évaluer square root de 4900. Évaluer, ça veut dire root valeur de square root de, ou ça simplifie les. Voilà. Mais quoi de beau de ça? Ça va te trouver, te réaliser que c'est un gros numéro, mais nous pouvons aussi, par observation, nous trouver que 4900, il y a aussi que ça fait. Il est capable de dire ça, il est aussi égal 49 fois 100. D'accord? Ça, bien sûr, il est là. Et là, ça, on va question des bouvines, ça, et ça. Mais ça, nous connaissons déjà. Square root de 49, c'est bien sûr 7. Square root de 100, c'est 10. La réponse bouvine, 7 fois 10 fait 70. La réponse partie A. Assez à partie B, nous avons évalué 5 par 3. Alors 5 par 3, ça veut dire que ça fait. Ça veut dire 5 fois 5 et fois 5, 3 fois 5, 5, 5, n pour n. 5 fois 5, c'est 25. 25 fois 5, c'est 125. Merci, on ne peut pas faire l'étape par étape, bien sûr. On a 25 fois 5. 5 fois 5, c'est 25. Coupe 5, mets là. 10 fois 5, c'est 10. 10 plus D, c'est 12. Alors, réponse 1, 125. Question, partie N. À cette question en numéro D, nous faisons work out ça, expression là. À ça, nous trouvons, nous avons retiré, plus, multiplié, bracket. Alors, quand nous avons une opération comme ça, nous faisons servir un bout de masse. Parce que nous faisons connaître dans quelle ordre nous faisons performer cette bonne opération là. Par exemple, nous avons B premier ici, ça veut dire sa première, bracket. Nous avons fait dans le bracket là avant. Bracket, nous avons moins 5, ça veut dire devenir moins 5. D'accord? Alors, multiplier 7 plus 28. Ça finit, c'est marqué fini. Alors, si nous observons, nous avons retiré, plus, multiplié, retiré. D'après nos bouts de masse, nous devons nous faire multiplication d'abord. Alors, nous faisons ça là avant. Alors, 7 fois, retirer 5 fait toi, retirer 35. Ça veut dire, c'est là, moins 8, moins 35. Parce que plus, retirer, divine, retirer, d'accord. Alors ça, c'est très simple. Moins 8, moins 35, fait ça. Moins 43. Moins 43. Merci à cette question, bien sûr. Nous devons comprendre que plus important, c'est le bout de masse, parce qu'il nous a servi ça pour faire ça avant. OK? Ça passe en question, les mots 3. Nous devons shade one more small triangle so that the shape has rotational symmetry of order 3. Ça veut dire, nous devons shade, ça veut dire colorer, peinturer, si tu as envie. N, encore N triangle, petit triangle. Pour qu'il y ait une shape là, une forme là, de point rotational, symétrie de ordre 3. À cette observation, nous trouvons, bien sûr, ça, les sous-centres pour là, de la courbe. Puis, nous ne pas là. Allez, ordre 3, ça veut dire, nous connaissons un set complet, c'est 360, d'accord? Divisé par ce ordre, c'est 120. Ça veut dire, si tu es là pour tourner ça par 120 degrés, d'accord? Et pour bien, on va quand même faire. Par exemple, laisse-moi faire un petit dessin là. Comme ça, je vous pouvez un peu comprendre. C'est ça, ce centre. Laisse-moi joindre ça avec ça. Ça avec ça. Ah, c'est la raison pour faire ça, c'est parce qu'il nous capable d'ouvrir ça. Sa longue ici, là, ça s'allie pour 120, 120 et 120. Mais là, nous connaissons pour combien nous besoin de rotation. Par exemple, si tu fais la rotation là, 120 degrés, et puis c'est pour venir là, d'accord? 120 degrés, ça devient là-haut. Encore un coup, 120 degrés, ça devient là-haut. Ah, c'est la question de toi, nous achetons encore un triangle pour qui, quand nous faisons la rotation là, nous gagnons même chez toi. Alors, bien sûr, pour observation, nous trouvons. Il y en a ça ici, ça, ça, ça. Nous allons chercher la connaissance ici.
Parce que le numéro de tête, lui, nous supposons gagner. Même shape, ça vient là-haut. Donc, même ça fait des triangles ici, ici. Côté de coin coûte, mais là-haut, des triangles ici, avec un ici. En coin coûte, des triangles ici, un ici. Alors, c'est ça, triangle que nous faisons, shade. Pour qui? Quand nous rotons ça par 120, nous trouvons même ça faire. Ok? Laisse moi shade bien, parce que va trouver ici. Ça, c'est tout triangle, tout un shade. Ça, c'est question numéro 3. C'est passons aux questions numéro 4. Nous allons write down the name of the solid formed from each net. Nous allons écrire un nom de solide qui nous gagne, quand nous remplissons sa bonne size là. Alors, c'est une question en fait, nous allons servir nos imaginations, observations. Par exemple, si nous fermons sa bonne côté là, nous avons une boîte d'accord, nous faisons affaire comme ça. Et pour une boîte comme moi, c'est une boîte rectangulaire par exemple, parce que ça sera dans les plis longs que ça, les boîtes rectangulaires. On appelle ça un cuboïde. La première réponse, les boîtes cuboïde. À ce sens-là, encore pour observation, vous réalisez qui ne vous gagne que ça fait, ne vous gagne. Parce que si je ferme ça là-haut, je ferme ça là-haut, ça là-haut, ça là-haut. Donc on a fait comme ça, non? D'accord? On a fait comme ça. Il peut appeler comme une pyramide. D'accord. Alors ça vous vient, pyramide. Bon, ça ne dessine pas trop bon, mais vous pouvez comprendre. Une observation avec une imagination. Nous combinons ça déjà, nous gagnons une pyramide ici. Et finalement, pour ça là, si tu montes ça là-haut, tu montes ça là-haut, ça là-haut, ça là-haut, tu gagnes une shape environ comme ça. Allez, faire une ferie, nous essayons de dessiner. Nous faisons comme ça. Nous pouvons faire environ comme ça, par exemple. Bon, il n'est pas bon fait, mais il est venu comme ça. D'accord? Tu fermes ça. Alors là, la cause, par définition sur la shape là, la cause, il y a des faces, des triangles, qui sont face à face, et que je joins pour la ligne droite, on appelle ça un prisme. Okay? Ça, c'est pas un prisme, la cause, quand tu fermes, donc on a des affaires qui paraissent des côtés, là, il y a un triangle. Et que les joignent pas mal la ligne droite. Ça veut dire qu'il y a un triangle, triangle, pareil, après la ligne droite, et vous voulez un prisme. La seule question, c'est est-ce qu'il cuboïde ici un prisme? Ben oui, il y a un rectangle là, un rectangle par derrière, les joignent avec la ligne droite. Mais la cause, ce prisme là, il a un nom spécifique, on appelle un cuboïde. Mais pour ça, malheureusement, il y a un nom spécifique, on appelle ça seulement un prisme, un nom plus broad, plus wide, on va dire. Mais ça, c'est question pochicate. Passons à question numéro 5. À numéro 5, nous avons, in the diagram, nous avons A, B, C, D, E, F, G, H, A, parallel lines. Ça veut dire, ça ligne A, B, C, D là, avec ça, c'est dans la même direction. Ça veut dire, même direction, parallel lines. D'accord. C'est nous avons, the lines CF and BG intersect at X. The line CF, so C, F, B, G, B, G, se joignent au point X. Intersect, ça veut dire joignent au point X. OK? Astaine, nous avons une longue main d'un doigt. CFG, BG, BGF, BXC. Nous avons une longue là, de finger. Astaine, question pour toi, le doigt, road long de CXG. Mais ça n'a pas été en fait, nous observons les colliers avant. CXG. C, X, G. Vous avez votre langue ici, là. À quoi vous avez ça? Pour observation, nous trouvons B, B, X, G. C'est une ligne droite. Nous connaissons la ligne droite. L'angle là-haut, la ligne droite complète, il est supposé 180. D'accord? Ça veut dire ça entier, il est besoin 180. Mais ça seulement, comment fait-on? Fait-on 180, retirer 80. Nous faisons un point, nous faisons ensemble. Ça fait toi 7, 10, 9, 0, 10. 10 retiré 8 fait toi. D, D, B, 7, 9. Réponse, partie A, c'est 99 degrés. À cette façon, partie B, il nous a find BX, BCX. Oui. Alors, code BCX. Alors, B, C, X. On sa langue ici, là. Merci de nous penser. Mais, tu connais, sa langue là. Les paramètres difficiles au début, mais nous trouver
Dans la question, nous avons une information ici, nous avons qui ça dit là dans les parallèles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Comment nous savons ça? Quand nous avons dit la ligne avec sur le parallèle, même direction, et que quand ça dit là dans une zone, nous ne pouvons pas servir un affaire ici, nous devons connaître les alternate angles de Paris. Vous comprenez? Ça, il peut parler avec ça là, et que ça, il peut parler avec ça là. Ça nous compare. Ici, il est comme ça, d'accord, il est comme ça, et il est comme ça. Là, il y a là, les zones là. Si nous avons sa langue ici là, ça paraît avec ça. Ça veut dire par comparaison, de nous trouver qui, ça, il nous apparaît avec ça. Alors, réponse, vous pouvez, langue BCX, fais-toi, 53. On appelle ça, by alternate angles. Et que nous servit l'information d'une toile, c'est ça, c'est la ligne là, et que ça, les parallèles, c'est la cause ça. Donc, capable de servir la propriété là, côté ça, avec ça, déjà pareil, tu vois, en normal, ça, les pareil. Mais bien sûr, des là, si, vous parlez avec ça, là, parce que ça, les bouts, on se alternate des côtés. Mais là, nous avons dit ça, là, pour l'instant. Alors, ça, les bouts, 53. Alors, passons à partie C. Nous avons de ABX. ABX, que c'est ABX. ABX, fais-toi, sa langue ici, là. Alors, c'est quoi de bord de ça? Nous devons faire une observation. Alors, par exemple, nous réalisons qui? Sa langue ici, là. D'accord? Lui, pareil avec ça. Qui fait? Parce que, même logique, comment commence-t-on? On est allé dans la même direction, sur alternate angles, c'est pour pareil. Ça, c'est pour 46, d'accord? Ça, 46. Merci, hein? La cause nous connaît. A, B, C, D, c'est la ligne droite. Ouais, la ligne droite. Et que l'angle, en bas sur là-haut, la ligne là, il vous faire en tout, il besoin 180. Si ça, 46, ça vous besoin combien? Vous faites 180, vous tirez 46. 9, 7, 10, 4, 3, 1. Réponse là, 134. La réponse pour JC, c'est 134 degrés. Ça, c'est question numéro 5. Passons à question numéro 6. Nous faisons un workout sa division. Il fallait un problème. Alors, ça dépend comment tu préfères faire une question. Par exemple, comparer avec Rally. 69. Divisé, c'est divisé par 0,3. Si, par exemple, tu n'as pas envie de travailler avec décimales, qu'est-ce qu'on va faire? On n'est pas capable de dire, bon, nous multiplions par 10 pour ça venir par là. D'accord? Mais si tu multiplies ça par 10, tu as aussi besoin de faire même pareil pour là-haut. Alors, les pouvines, 690 divisé par 3. Donc, on comprendra là, à cause d'un décimal en bas, moi, je vais bouger ça pour le mettre ici. Mais pour tout cas, tu as besoin de multiplier ça par 10. Et si tu fais les en bas, tu peux aussi faire là-haut, comme ça là. Divisé par 3, fais 3, D, 3, 0. Réponse, 230. 230, fais-toi, partie A, question 6. À cette partie B, tu peux workout sa division encore, une rédaction coûte, comment on va faire? Et toi, give your answer as a mixed number. Mixed number, ça veut dire un whole number avec sa fraction. Allez, n pour n. Alors, première étape, c'est nous expandre ça. Comment on expande ça? N fois 7, c'est 7, plus 4, c'est 7 plus 4, c'est 11. Alors, ça, vous venez? 11 log 7. Divisé par 3 log 5. Alors, c'est bien sûr, quand on a divisé, une fois, nous, sans ligne, il fallait multiplier. Par exemple, on a des fractions, hein? On ne peut pas faire ça. Ça, les reste pareil, hein? Ça, les fait toi. 11 log 7. Sans ça, fait les multiplier. Mais quand tu fais A, tu as besoin de flip ça en bas là-haut. 5 la montre là-haut, 3 la vigne en bas. Là, nous, ça a fait 11 fois 5, fais-toi, 55. 7 fois 3, c'est 21. Mais là, nous avons besoin de simplifier ça en un mixed number. Ça nous regarder combien de fois nous avons 21 dans 55. Par exemple, nous connaissons 21 fois 2, fais-toi combien? Fais-toi 2, 42. 21 fois 3, nous c'est lui. Fais-toi combien? 3, 6. 6, 3, il est trop beaucoup. Il est pour la haute 55.
Alors, on ne va pas service 1, on ne va pas service 1 là. On service 2, alors. Alors, 2. C'est ça, whole number. D'accord? Astéa, comment pour rester? 55 retiré 42. 42 ici, 55 retiré 42, fait 3n. À 13 pour rester. Et clos, 21. C'est la réponse. Partie B. Alors, D. 13, 21. Okay, à cette façon, question numéro 7. By writing each number correct to one itself, estimate the value of this. Alors, première affaire, vous pouvez écrire chaque numéro correct to one itself, one significant figure. Alors, le point 1, 8, D, 3, 0. Comment faire one itself? La cause du one itself, première affaire, nous ignorons le numéro premier là. Nous ignorons les. Et nous posons la question, si ce numéro-là, est-ce qu'il est plus grand ou égal qui 5? La réponse est bien sûr que non, D est moins que 5. Alors, nous écrivons ça, comme on était là, et que nous sens des restes fait 0. Alors, même affaire ici, voilà 0,64. Mais là, pour une petite différence, parce que le numéro-là commence par 0, mais nous faisons ignorer 0-là, et nous comptons ça, on ne pas compter sur une, nous ne pas prendre les comptes, nous disons 1SF, nous laissons ça là en place. Même question, ça là, est-ce qu'il est plus grand ou égal que 5? Mais bien sûr que non, 4 est moins que 5. Alors, qu'est-ce qu'il nous fait? Même affaire, nous écrivons ça là comme il était et il reste 0. Et ça là, c'était, nous avons 18,7. Alors, 1SF, nous laissons pour maintenant en place pour l'instant. Bon, ici, nous ignorons la cause du 0. Nous commençons par ça, mais s'il n'est pas pour 0, tu peux aussi faire pareil comme moi. C'est quand les zéros qui nous ignorent, ok? Alors là, nous laissons en place, x1 là. Nous, la question, est-ce qu'il est plus grand ou égal que 5? La réponse est, bien sûr, 8 est plus grand que 5. Alors, si le plus grand que 5, nous disons, ajoute n en devant là. N plus n fait toi qui ça fait? D. D'accord, n plus n fait un D, et le reste, nous écrivons, les 20 zéros. Ça nous remplace ça maintenant, là-dedans. Et vous venez, 8000. 0,6 divisé par 20. Simplifié, 0, coupé 0. Ainsi, nous faisons D divisé par D fait 400. Nous prenons 400 fois 0,6. Ainsi, nous pouvons bien sûr, nous pouvons faire ça avant. Soit si nous pouvons bouger ça ici, bouger ça ici. Peut-être que ça fait. Nous faisons 40 fois 6. D'accord? Il est pareil en fait. 400, quand on bouge ça ici là, nous prenons 10 là, nous mettons là, nous pouvons bouger ça par là. Soit plus facile, nous faisons plus simple pour eux. Par exemple, 400, qu'est-ce qu'il y a? 400 c'est 4 fois 100 fois 0,6. Alors si tu fais 100 fois 0,6, comment tu gagnes? 100 fois 0,6, tu fais 60. D'accord? La réponse est 4 fois 60 fait 240. Soit nous ne pouvons pas faire encore une méthode, c'est 400 qu'il y a. 400 c'est 4 fois 10 fois 10. Et 0,6 c'est simplement, qu'est-ce qu'il y a à faire? 6 divisé par 10, d'accord? Alors ça, pour cancel avec ça, et que tu peux rester 4 fois 10 fait toi, soit 4 fois 6 fait 24 fois 10 fait 240. Alors ça, c'est la même réponse que ça. Différentes façons de penser, différentes façons de faire, même réponse, 240 pour question numéro 7. Passons façon question numéro 8. Nous faisons un write-down 0,06 km en termes de mètres. Alors, pour faire un, nous faisons bien sûr qu'une conversion. Conversion, c'est les affaires. C'est 1 km, nous faisons qu'on a d'égal 1000 mètres. C'est ça, conversion là. Alors, 0,06. Sans y faire le même temps, nous avons juste fois les par 1000. 0,06, c'est combien? C'est 6 divisé par 100. Nous fois les par 1000 pour faire les 20 km. Ah, c'est-à-dire, tu veux comprendre que 0,06, c'est simplement 6 divisé par 100. D'accord? Ça, pour mes affaires. Ah, c'est pour convertir les, nous fois les par 1000. OK? Comme ça. 60. Réponse est 60 mètres. Ça, c'est question. Voici. À cette passion question pour JB, nous avons converti ça là en
meter square fait bien centimètre square. C'est un objet qu'on a qui un mètre c'est combien? Un mètre c'est 100 centimètres. D'accord? C'est pour notre square, nous faisons square des côtés. Le square, c'est un square, c'est un meter square, égale 100 square, centimètre square. Nous, square des côtés, ça veut dire un square c'est un mètre square, il est pas égal. D'accord? 100 fois 100 fois 3, 10 000 centimètres square. C'est ça qu'on veut changer, mais nous en connaissons. Alors, on veut dire ça, bien ça, vous avez fois l'hypothèse, 10 000, et toi? 70 000. Réponse pour B, question numéro 8. À cette façon, question numéro 9, nous avons write down l'essentiel as a product of its prime factors. Très simple. L'essentiel nous est divisé par son prime factors 2, par exemple, top guy, n a, la double gagne 0, la double gagne 8. Divisé par 2, 54. Divisé par 2, égale 27. Divisé par 3, égale 9. Divisé par 3, égale 3. Alors, l'essentiel, c'est simplement, qu'est-ce qu'il y a à faire? 2 fois 2 fois 2 fois 2, 3 fois. Et 3 fois par 3, 3 fois. D'accord, ça c'est le product of its prime factors. Tu ne peux pas créer ça. Soit tu peux créer ça en complet. 2 fois 2 fois 2. Fois 3, fois 3, et fois 3. On peut écrire ça aussi. Ok? Ça, c'est la question pour tirer. À cette question pour tirer, il y en a deux positives integers. Integers, ça veut dire whole numbers. Ok? Whole numbers. Par exemple, 10, 5, whole numbers, d'accord? Greater than 25, plus grand que 25. Alors, par exemple, au commencement, nous ne connaissons pas qui est le numéro ça. Alors, on appelle x avec y. Alors, on connaît la première condition, c'est des integers x avec y, je vais appeler grand que 25, condition numéro 1. D'accord? À ce niveau-là, qui est LCM, le lowest common multiple des 116, et le highest common factor HCF des 18. Alors, nous disons qu'on a un product of its prime factors pour des 116. Nous avons un last year, 18. Nous avons un prime factors. Divisé par 2, fais-toi. 9. Divisé par 3. 3. Ça veut dire 18. C'est 2 fois 3 fois 3. Alors, ça veut dire que nous connaissons le highest common factor, l'hypo 18, soit D fois 3 fois 3. Ça veut dire, pour l'instant, nous connaissons X avec Y. Je bisais et na, ça va na. 10 fois 3 fois 3 pour tous les deux. Au moins ça va là, les besoins là. Parce que ça, c'est sur votre définition. Highest common factor, ça veut dire que tu es des, vous êtes là, vous êtes match. D'accord? Ça, c'est l'étape numéro 1. Alors, nous connaissons le lowest common multiple des 116. Alors, nous connaissons qui est 116. Ce qu'ils ont fait, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 3 fois 3 et fois 3. Alors, pour sa banane-là, nous finissons la vie d fois 3 fois 3. Qu'est-ce qui nous reste? Il nous reste d fois d fois d fois d fois 3. Alors, nous allons bien sûr distribuer les codes. Pour x, nous allons donner 2 fois 2. Et pour y, nous donner 3. D'accord? Comme ça, si nous avons sur LCM, nous connaissons pas notre ça, nous avons le maximum de quelque chose. Par exemple, nos prime factors pour un d là, nous connaissons 2 avec 3. Nous trouvons là. X sur un prime factor de 2 avec 3, mais il y en a beaucoup, mais il est 2 avec 3. Y sur un prime factor de 2 avec 3, d'accord? Vous avez checké? Alors, LCM, 2 a des numéros là. On a vu ça, nous avons dit, what happens the most? Alors, 2, il y en a N, D, 3, 2 ici. 2, il y en a N, 2. Alors, nous prenons ce most. Là, il y a le most, c'est 2 fois 2 fois 2. Par exemple, à 7 pour 3, pareil, même logique. Where does it happen the most? Regardez, là il happen deux fois, et là il happen trois fois, mais nous prenons les codes qui happen the most. Fois 3, fois 3, fois 3. Ça, fais-toi, confirme-toi, c'est ce LCM est effectivement pour un deux numéros là, les 116. Again, on fait ça, la cause, j'ai envie de checker est-ce que ce LCM est effectivement les 116. Mais méthode pour faire les, c'est nous servir ce HCF pour nous établir qui, the day, the business, a, saban. Prends numéro là au début et ensuite nous servis ce LCM
Nous voulons nous réaliser qui? Donc, on manque un numéro pour aussi gagner un sien de 216. Et là, nous faisons une distribution, logiquement, il est possible pour nous gagner un sien de 216. Alors là, par exemple, nous trouvons x est beaucoup à faire. D fois D, c'est 8. 8 fois 9, 6. 8 fois 9, c'est qu'est-ce à faire? 9 fois 9, c'est 81. Alors, 9, 72. D'accord? Et là, fais-toi, qu'est-ce à faire? 3 fois 3 fois 3, c'est 27. Fois 2, c'est 54. La réponse, une des possible réponse, c'est x above 72 et 54. Again, cette question est capable un peu difficile pour comprendre. Mais si je ne fais assez HCF, soit LCM pour mon numéro, je peux comprendre ce qu'on sait pour aller là, c'est nous servir HCF d'abord pour établir qu'il y a un numéro là, au moins dans tous les deux numéros. Par exemple, ici, j'ai un D fois 3 fois 3, D fois 3 fois 3, il faut besoin dans tous les deux. Ça, c'est pour mes affaires. Après, nous servir LCM là, nous connaissons 216, l'I égale D fois D fois D, fois 3 fois 3 fois 3. Mais à ce moment-là, nous disons un numéro là, nous coupons ça, coupons ça, coupons ça, nous reste D fois D avec 3. Mais bien sûr, D fois D, nous devons mettre ça dans un numéro, 3 là, mettre ça dans l'autre là. Et là, tu peux gagner une réponse comme ça. Alors, ça, c'est la question. Partie B, question numéro 9. C'est pas son question à numéro 10. The diagram shows triangle A and triangle B. Par exemple, ici, on a un triangle A avec triangle B. OK? À cette partie-là, nous devons describe fully the single transformation that maps A onto B. Ça veut dire qu'une transformation capable de faire A vers B. Nous trouvons que le size est pareil. D'accord? Les triangles, ils prennent sens au size. Après, les mêmes directions, les mêmes orientations. Ça veut dire qu'il faut besoin de nous faire par élimination, choisir. Il faut besoin de N sur N translation. D'accord? Parce que normalement, dans au level, nous avons une option. Nous avons translation, nous avons enlargement, nous avons rotation. Après, nous avons un shift, c'est-à-dire avant de faire un shift. Translation, enlargement, rotation. Après, nous avons reflection. C'est-à-dire nous réaliser par élimination, ça n'a les capables de faire translation. Alors, nous avons matrix, ça c'est une translation. D'accord? By et column vector. Column vector, ce mouvement qui était, nous devons, ça point là, il me bouge les 25 points là. Alors, quand vous bougez, vous avez compte 1, 2, 3, 4, côté droite, après 1, 2, côté en bas, 4, 2 en bas, moins 2. Ça c'est partie A. Translation by column vector, 4, moins 2. À cette partie B, triangle A is mapped onto triangle C by a rotation 90 degrees, center 0, 0. Nous dessinons le triangle C. Alors, bien sûr, nous ne pouvons pas faire servir nos compas si tu as envie. Il y a une rotation anti-clockwise, mais center est 0, 0. Nous ne pouvons pas servir nos compas, nous ne pouvons pas servir nos formules aussi si tu as envie, dépendant de préférence. Aussi, nous ne pouvons pas servir la règle. Je connais ça, les bizarres, qu'ils ont fait. Nous avons tout avec center là avant. Ça arrive là, center là ici. Ça va se venir ensemble. OK? Et que nous avons une rotation de 90 degrés. Alors, nous ne pouvons pas servir de protecteur si tu as envie. Nous ne pouvons pas faire ainsi. Mais une méthode qui m'a envie de servir ici, c'est. Je ne sais pas qu'on parle ici, mais. M'a envie de servir. Une méthode de service, c'est la méthode de vecteur de compter. Par exemple, si nous avons fait une rotation de 180 degrés anti-clockwise, anti-clockwise, vous avez besoin de la direction, d'accord? Pour ici. 90, c'est une affaire comme ça. Alors, par exemple, si là, il y a une ligne droite, vous avez estimé les pour environ, voilà, d'accord? Alors là, les besoins, les tirs communs. N, D, 3, N, D, commencer. Ici, 3 ici, avec D là. Je ne peux pas vous montrer comme ça. Si vous regardez dans la ligne droite ici, par exemple, j'ai besoin de 90 degrés, de la ligne droite là, je ne peux pas laisser dans la ligne droite.
Vous êtes environ ici. Alors, au début ici, ND, 3, ND. Alors, les puissances, vous faites quoi? ND, ND, 3. Vous venez là. Ça, c'est 2 points. Un point là. Ah, c'est ça point ici là. Ça, là, pareil, on va faire encore une côte. Ça, on va estimer les deux côtés. De compter. ND, 3. ND, 3, 4. Alors, comptez. ND, 3, 4. ND, 3, pour l'environ. C'est finalement ça là. Et pour ça là. Et pour finir l'estimation, il vous a environ par ici. D'accord? On va compter les séparés. Il faut ND, ND, 3, 4. Alors, ND, 3, 4. ND. Environ par là. Alors, d'après calculation, il peut venir environ ici notre triangle. Ça, c'est le bon point pour notre triangle. Après une rotation anticlockwise. Les bras du triangle, c'est assez élevé. Cette méthode-là, en fait, les méthodes dessinées, les méthodes comptées vecteuses. Mais d'autre part, aussi, c'est vite aux formules. Nous connaissons qui ça fait, nous connaissons qui. Matrix times object égale image. D'accord? Alors, nous matrix. Matrix, rotation. Anticlockwise, comment dérouler? Nous avons une méthode. C'est nous capables de dessiner nos axes avant. Nous commençons par un point ici là. Ça, c'est point N0. D'accord? Ça, c'est point 0N. Alors, nous commençons par ça là. Bon. Si vous rotez ça, 90 degrés anticlockwise, si vous venez par là. Ça point là, vous venez ça point là. D'accord? Ça veut dire. Malgré ça, vous avez besoin de faire. Ça, vous venez ça, vous venez 0N. Et que ça point là, nous rotez ça, 90 anticlockwise, vous venez ça point ici là. Ça point là, vous venez toi qui fait, moins N0. Alors, ça marque ça, il vous représente anticlockwise rotation by 90 degrees. Alors, nous servons ça, marque ça pour nos réponses. Matrix, alors c'est 0N, moins N0, times object. Object, c'est le triangle, sur le même point, c'est commun. Ça les 3 moins D. Ça les 3 moins 4. Et ça les D moins 4. D'accord? Nous faisons comme ça un point. Rows by column. 0 fois ça, ça fois ça, ça D. Rows by column, ça fait toi 4. Rows by column, fait toi 4. Rows by column, fait toi 3. Rows by column, fais-toi 3 encore. Attendez. Mais c'est pas ce qu'on fait matrix multiplication au moins. C'est rows, nous fait 0 fois 3 plus retirer n fois 2. Alors, 0 fois quelque chose, c'est 0. Retirer n fois retirer, fais-toi 2. Alors, having 2. Là, nous fait rows by 124. N point, donc c'est en réponse 1. Alors, nous confirmons. Combien de points fais-toi 2, 3. Alors, 2, 3. Alors, ça, c'est le premier point là. D'accord? Confirmons. 4, 3. 4, 3, vient là. Et 4, 2, 4, 2, vient là. Sorry, 4, 3, vient là. 4, 2, vient là. Alors, il confirme qui? Réponse ça, en fait, les bons. Ah, c'est dans les armées, bien sûr. Si tu es dans les temps, tu es capable de servir ça, de checker ta bonne réponse. Par exemple, ces formules-là, tout le temps, les plus correctes, pour te garder ta bonne réponse exactement pour les coordinates pour rotation. Alors, ça, c'est une méthode pour faire les. Et que ça aussi, une méthode pour faire les. Dépend de tes préférences. Ah, passons à la question numéro C. Le triangle A is mapped onto triangle D by an enlargement. Il y a une deuxième transformation là, enlargement à dire. Nous connaissons ce scale factor, les 3, sous synthèse pour 5 moins 5. Alors 5 moins 5, comment dire? Il y a 5 là, moins 5, il y a plus là. Ça sous synthèse de enlargement. Alors quand on fait ça, on fait les très simple. Pour mes affaires, nous avons besoin d'une side là avec nos centres. On le fait aller, nous faisons seulement nous extend, ça va nous marrer loin. Ok? Ça nous va aller, nous extendons. Ça aussi pareil, nous va aller, et nous extendons. Ça aussi pareil, nous va aller, et nous extendons, loin, loin. Ok? C'est toi qui, sur scale factor, les besoins 3.
Mais nous comptons. Nous avons un triangle ici sur sa li, li pour n, avec d. Mais quand il grandit par 3 fois, nous avons d, nous fois li par 3, fais-toi 6. Ça nous redit, quand ce side là, quand il continue là, il vient 6. Par exemple, nous avons d, là il d, nous grandit li. Ça comment fait-toi? Fais-toi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors exactement les couleurs. 0D, côté 26. Alors là, les bouffées, toi, ça va être le numéro D là. Ça veut dire, ça, ça aide là. L'idée avant, nous faut aller pour 3 qui fait. La cause sur ce qui est le facteur de 3. D fois 3 fait 6. Alors, ça aide là, les vins, ça aide là. Même nous, c'est casté. Ça aide ici là. L'idée N, nous faut aller pour 3. La cause sur ce qui est le facteur de 3. N fois 3, c'est 3. Alors, nous connaissons ça. Il continue droite droite, il fait top, ça lui faisait une pole là, alors ça avait une 3 aussi. D'accord? Une 3 ici. Et finalement, bien sûr, ça lui besoin avec ça pour former deux triangles. Alors, ça c'est deux triangles. Alors bien sûr, tu fais avec un crayon et tu faisais le label triangle là, le triangle dit. Ça c'est ta question numéro 10. Alors, si vous faites une question comme ça, vous devez pratiquer, bien sûr, souvent, vous devez pratiquer, et avec pratique, bien sûr, ça vous comprend les plus bien. Et moi, j'espère, vous restez comprendre la méthode là, ici, pour mes affaires, nous jeunes centaines là, avec bonne side là. Ça, vous donnez avec ça, ça, vous avec ça, avec ça. Quand nous faisons un logement, nous extendons là, là, et là. D'accord? C'est, donc, initialement, ce side ici, les petits dés carrés. Ok? Mais nous connaissons ce que le facteur, les 3, nous faisons fois, les pas 3. Des fois, on fait 6. Mais là, nous checkons, là, l'idée, nous voyons que ça, along the lines, il y a 26. Il y a 26. Ça, il y a 26. Il y a 26. Il y a 26. Il y a 26. Alors, si nous trouvons ça à côté là, il y a n. Bien sûr, n fois 3 qui fait 3. À cause de ce qui est le facteur de 3, il fait 3. 3. Alors, nous voyons, along this side, droite, droite, côté 23. Là, il y a n. Nous voyons, là, l'idée. Mais là, il y a 23. Alors, là, il y a 23. C'est le numéro 10 là. Nous avons ça, nous avons label as dit. Ça, c'est la question numéro 10. Maintenant, passons à la question numéro 11. The scale drawing shows a garden with two trees, P and Q. Ça veut dire qu'il y a des pieds, P avec Q. Okay. The scale is 1 cm, represents 6 meters. Ça veut dire 1 cm, ça représente 6 mètres. Parce que ce scale qui nous doit pousser à vivre à la question. C'est parti, il y a une affaire. The garden has a path that is equidistant from P and Q. Ça veut dire qu'il y a un semaine de la zone là. Exactement au milieu, à des points là, à des pieds là, P avec Q. Alors, quand on a besoin de un path, soit une affaire qui est équidistant, depuis des points distincts, ça veut dire qu'on a besoin de dessiner ce que ça fait. Sur so, perpendicular, bisecteur. Bien sûr, là, tu dois servir un compas pour dessiner ça. Mais malheureusement, pour l'instant, je prends un compas. Alors, je vais skip ça pour l'instant, mais je vais dessiner un perpendicular bisecteur. À cette partie B, Yuna wants to plant a third tree. Yuna plante un troisième pied qui, condition numéro N, il est plus près avec Q qui P. Alors, la cause, on dessine ça pour nous connaître. Côte les plis près avec Q qui paie, ok, c'est alors ça l'important, plutôt faire avoir ici là, ok, N, nous avons plus que 18 mètres d'EPQ. Alors, ça, nous avons fait, nous avons connu, nous avons plus que 18 mètres d'EPQ. Alors, Q pour là, 18 mètres tout autour, ça veut dire, dessine N, circle, avec son radius, 18 mètres, with center, nous avons Q. Mais c'est bien sûr, le dessin est un dessin miniature. Le sens, c'est ça, sens au radius. Nous connaissons 6 mètres, c'est 1 cm. 18 mètres, c'est toi, 3 cm. D'accord? Nous sommes bien nous de ça. Ça veut dire, nous allons dessiner un cercle avec un radius de 3, centre Q. Alors, là, des bouts de centre, dessiner un cercle ici. Bon, on me fait freehand, il n'est pas trop bon, mais moi, je vais comprendre. Il y a un cercle autour de Q. Sur radius supposé.
3 cm. Ok? Et que là, tu as supposé une ligne droite ici, par exemple. Par exemple, vous êtes au milieu exactement. Avec P et Q. Vous êtes exactement au milieu. 90 degrés. Et que vous êtes shade. Quand tu as envie de planter sur pied. Alors, première condition, pli près QQ avec P, ça veut dire les besoins. Voilà. D'accord? Et que les besoins, pli ski, 18 mètres, ça veut dire que les besoins continuent ça. Parce que les besoins, bien sûr, dessinent ça tout le long du jardin, les besoins couvrent le jardin là entier. Alors, si les besoins, côté droit, pli près avec Q, et qu'aussi, vous êtes déo à sec là, ça veut dire, il ne peut pas planter ce pied dans la région là. Ça. Avec ça. Mais le but de la question, c'est bien sûr comprendre qu'il est érodé, comprendre que toi, tu as besoin de faire, de garder la réponse ça. Bien sûr, tu as besoin de servir de bon compas, tu vois là, pour te montrer le travail, pour te garder un point dans l'examen. Par exemple, ici, quand j'ai tordu la ligne équidistante de deux points distinct point, P avec Q, ça veut dire dessiner un point perpendiculaire bas, c'est que tu gagnes la ligne droite, au milieu, en fait, là, tu as besoin de servir de compas, tu gagnes un point intersection, ici, ici. Par exemple, je vous ai montré ça pour te gagner au point. Pour ça, pour appeler le bas là, servir ça, nous avons servi ça pour satisfaire la condition ici là. Et finalement, quand nous avons ça more than 18 cm, depuis un point distinct, Q, ça veut dire un circle radius de 3 cm depuis un point là. Alors ça, bien sûr, ça ne te comprend pas parce qu'il fréquente pas pour gagner au point. Tu as besoin de montrer que tu as fait le travail bien pour te gagner au point. Et finalement, tu as besoin shade ma région, que tu lui make sense, que tu lui satisfais à ma condition. Ça, c'est la question numéro 11. Ok, alors passons à la question numéro 12. Le diagramme shows a rectangle ABCD. Ça veut dire un rectangle ABCD. ABCD. E is a point on the diagonal AC. Ça veut dire un point E ici. Il y a un point là. Diagonale là. Ok? Longue DEC, c'est 90 degrés. Alors DEC, c'est ça, 90 degrés. Alors, si nous a prouvé qu'il y a un triangle ADC, ADC, il est similaire avec triangle DEC, DEC. Alors, une façon pour montrer triangle similaire, c'est de montrer les autres. By AEA, ça veut dire. Tu aurais aussi montré qu'ils ont trois angles pareils, ils ont corresponding angles pareils. Donc, on va prouver qu'ils sont similaires. Par exemple, on a un triangle A, DC, un gros triangle ici, là. D'accord? On a un triangle ici, là. D, DC. On a deux triangles. Vous avez montré qu'ils ont angles, ils ont corresponding angles, les pareils. Et la cause de Halo là, qui nous a aussi montré qu'ils ont correspondent à un angle pareil, et la cause de ça, on ne peut pas prouver qu'il est similaire. Par exemple, ici il est 90, d'accord? Mais nous connaissons ce angle là, bizarre 90. On va dire 90, d'accord? La première condition, c'est qu'ils avaient. Première condition, déjà, mais angle A, DC, il est égal à angle DEC. Rectangle, triangle, d'accord? Ça, c'est les premières affaires. C'est les deuxièmes affaires, vous avez qui a fait encore cabine pareille, par exemple. Donc, on peut dire ici, là, c'est 90, par exemple, d'accord? Alors, nous avons fait ça long là, on appelle X. Par exemple, ça, les X, ça, les besoins des affaires. Ça, les besoins, parce que ça, long ici, là, il est pour 90 aussi, d'accord? C'est ça les x, ça les plus bien, 90 moins 6. On appelle les y. Y c'est 90 moins 6. D'accord? Pour l'instant, on appelle ça y là. Comment est le plus facile pour travailler avec lui? Alors, vous trouvez que ça, sa langue ici là, les plus bien parler avec ça. Qui fait? La cause, il y a un alternate angle. Ça rappelle? La cause dans les mêmes directions. Qui fait comment on connaît les mêmes directions la cause? L'angle ici là, avec l'angle ici pareil, 90-90, il est bien dans les mêmes directions. Alors ça, avec ça il est pareil, ça c'est le y.
OK? Alors, le curly ici. Merci à ça les y. Ça veut dire que ça fait. Ça veut dire sa langue ici là. Ça les pour x, d'accord? Ça, le curly modé. Le modé, nous réaliser que ça fait. Langue D A. D A. Soit plus facile encore. À cause, bon, il paraît en fait DAC, DAC, il peut égal qui langue. Langue DAC, il peut égal langue. E, DC, il peut égal langue de Y. Ça veut dire ça, c'est 90 moins 6. Bien sûr, tu dois réaliser aussi, voilà, la cause sali pour X. D'accord, alors par exemple, sali pour X, ça fait de combien? 190, ça lui pour combien nous besoin? 90 moins 6, d'accord? Mais nous connaissons, on appelle ça, c'est on appelle ça y, vous voyez? C'est-à-dire ça lui pour besoin y. Et finalement, bien sûr, le numéro 3, nous connaissons, bien sûr, c'est langue A, CD, égale langue D, CE. Ça veut dire les x, c'est common angle. Ça veut dire, dans des triangles là, sa langue X là, sa langue ici là, il paraît de tous les deux, d'accord? Ça, il est présent de tous les deux triangles, ça veut dire les angles qui sont communs. D'après, by, et, on va dire, maintenant, similaire. Vous savez que bien sûr, triangle ADC est similaire au triangle D ici. Bon, moi, je vais essayer de comprendre comment on prouve à des triangles similaires. Mais là, par exemple, là, une route, une autre langue, et nous aussi prouver que tous les trois langues ont correspondent à angles pareils, et que c'est pour ça qu'ils sont similaires. Étape par étape, bien sûr, nous aussi faire lire, alors par partie 12. C'est partie 13. Nous avons qu'à faire, you know? The mean of five numbers is 17. Alors, la moyenne de 5 numéros est 17. Mais quoi de route mean en fait? Mean, nous avons ça pour qu'ils aient fait. Pour total. Divisé par nombre de numéros, c'est 5, d'accord? 5, 1000 là, 15, soit 17, égale total divisé par 5. Alors, total, comment fait? Total, fais-toi. 17 fois 5. 7 fois 5, c'est 35. 1 fois 5, c'est 5 plus 3, fais-toi 85. Alors, 17 fois 5, fais-toi 85. Total de 5 numéros là, fais-toi 85. À cette information, the numbers are listed in order of size. Ça veut dire les ascending order, starting with the smallest. Now the three smallest numbers are equal. C'est-à-dire, premier trois numéros, c'est pareil. Ça veut dire la personne x. Ça veut dire x, x, x. Premier trois numéros. C'est-à-dire, the middle of three numbers add to 35. Bon, quatre numéros n'ont pas connecté, nous appelons les y. Exactement numéro, the largest number is 4 times the smallest number. Alors, smallest number libre, les x, d'accord? Les 4 times, ça veut dire les 4x. En tout, il y en a 5 numéros. Alors, le numéro, les x, 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 y, 4x. Voilà, pour l'instant, par exemple. Assez nous servir à bonne information pour retenir le numéro là. Alors, finis-toi. The middle three numbers add to 35. Ça veut dire, à 3 numéros ici là. Qu'on rajoute, il fait à 35. Alors, x plus x est à 2x plus y, tu faisais 35. Ça, c'est une équation numéro 1. Là, si on connaît le total, fait à 85. Mais d'où va ici, ça veut dire, si on ajoute tout, x plus x plus x plus 4x, fait à 7x plus y, fait à 85. Équation numéro 2. On fait y min subject, par exemple, y fait 85, on va tirer 7x, nous ne sauvera pas. Substitution, si tu as envie de faire élimination aussi, les panneaux de préférence, on place ça ici fait 2x plus y, c'est 85, on va tirer 7x, fait 35. Alors là, nous faisons, qu'est-ce que nous gagnons? Nous gagnons 2x, nous avons moins 7, fait moins 5, x égale 35 moins 85.
Alors, on fait 85, retirer 35, fait combien? 5, 5, c'est 0, ça c'est 50. Alors, fait moins 5x égale moins 50. 35 retirer ça, fait moins 50. X fait 10. D'accord? Alors, liste de 5 numbers in order, fait qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors, x c'est 10. 10, 10. Y, nous avons dit. Alors, plus grand c'est 40. Y c'est 85 moins 70, d'accord? X c'est 10, 85 moins 70 c'est 15. Alors, le numéro c'est ça. 10 et 10, 15, 40. C'est la question numéro 13. Passons à la question numéro 14. The diagram shows a speed time graph for the start of a cyclist journey. Alors, speed time graph. OK? La question numéro 1 nous est fraude sur accélération dans les premières 20 secondes. Alors, très simple, nous devons comprendre qu'on a une speed time graph sur accélération, c'est seulement sur gradient. Ah, c'est comment tu as sur gradient? Tu as des points, là, la ligne là, tu as sur gradient, soit tu as sur height divided by base, height qu'ils affirment. Height, c'est ça, les 15, d'accord? Height, c'est 15, divisé par base, parce que 20 secondes là, base, les 20 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un point. Nous divisons par 5, fait 3, le 4, on fait 0,75. D'accord? On va se vider ça, 0,75, meters par second square. C'est bien sûr. Tu ne peux pas servir des points. Par exemple, tu servis 100 points ici là, et 100 points ici là. Il y a un autre gradient de une straight line. Les mêmes méthodes, tu as la même réponse. À cette partie B, nous avons describe the motion of the cyclist between ça. Avec ça, alors depuis 20 pour 30, trouver les move with constant speed of 15. Alors, c'est quoi? Move with constant speed of 15 meters per second. À cette partie C, nous allons find the total distance traveled in the 50 seconds. Quand on a un speed time graph, nous allons connaître qui? Distance traveled, c'est area under graph. C'est area en bas graph là, nous avons 400 des points de la vie. Alors nous pouvons pas couper ça, par exemple, nous couper ça ici. Ici. Soit nous coupons ça ici, nous coupons ça ici. Il fallait 3 points de plus facile est là. Alors, par exemple, point N, point D et point 3. N c'est area d'un triangle, alors half fois base fois height, d'accord? Half fois base c'est 20, fois height c'est 15. T'as 5, D divisé par D, t'as 10, 150. Alors, numéro 1, 150. Numéro 2, area of a rectangle, c'est length times width. Ça c'est 10 fois 15, c'est 150. Ça c'est qu'ils ont fait, area of a trapezium. Là, c'est cette ovication encore. Tu ne peux pas casser encore, par exemple, tu ne peux pas couper ça ici. D'accord? Donc, gain, triangle là-haut, là, c'est half fois base, c'est 20 fois height. Height ici, c'est 15, 5, ça descend, c'est 10. Alors, fais-toi, 20 fois 10, c'est 100, 100 divisé par 10, fais-toi, c'est 100. Et ça, finalement, en bas là, c'est un rectangle. So, length times width. Ça fait toi, 50 retiré 30, c'est 20. Height, c'est 5. C'est 100 encore. Finalement, numéro 3, fait toi, descend. Alors, finalement, nous avons tout. Alors, fais toi, 150, plus 150, plus descend. D'accord? 150, 150, plus descend. 300 plus descend, fait toi, 500. La réponse, c'est 500 mètres sur distance traveled. Il y a un graphe. Ok? C'est question numéro 14. Passons à la question numéro 15. During 1 year, the value of a bicycle decreases from $200 to $160. Calculate the percentage decrease in the value of the bike. Ça veut dire, dans un an, la valeur d'une bicyclette qui est dépréciée, dépit des 100 $ jusqu'à 160 $. Nous avons le pourcentage décrease. Facile. Première affaire, nous avons décrease. Décrease, c'est prix initial, retirer ça, fait descend,
Je dirais 60, mettons 40. À ce pourcentage, décrit cela, c'est 40, divisé par prix initial, c'est 200 fois 100. Coupé, coupé. Et toi, 20%. Alors, le pourcentage décrit, c'est 20%. À cette fois, c'est solve the inequality. Alors, je fais un point. Enlever tout n d'un côté. Donc, on a 2n. Envoyer ça ici. Tu as plus 6n. Plus grand qui 5. Envoyer ça ici. Tu as retiré 23. Alors, on a que d plus 6, tu as 8n. Plus grand qui la 23, retiré 5. Tu as qu'est-ce que ça fait? N, 10. 10 retiré 5. Fais-toi. 5 plus 3, 8. N. La réponse c'est 5 retiré 5 fait moins 18, d'accord? Divisé par 2, tu as besoin de ça faire. 4n plus grand qui moins 9 et n plus grand qui moins 9 fois 4. La réponse est n plus grand qui moins 9 fois 4. Merci. Partie 16. Sauver ton inégalité. Ensuite, partie 17, tu te factorises. Alors, au début, bien sûr, mon bac, on a un qui est pour finir. Mon bac, c'est n par n. C'est comme ça qu'il nous fait. Hein? Alors, nous trouvons ici, moi, par exemple, ici, moi, qu'est-ce que ça fait? Moi, y avec y les commun, nous tirons y de haut. Donc, 3x moins q. Ici, nous avons qu'est-ce que ça fait? Hein? P avec p les commun, nous tirons p pour l'instant. x6 et on a 2 avec 6. Quand on divise par 2, nous tirons 2 aussi. Donc, 3x moins q. D'accord? C'est de réaliser que ça, avec ça, il est pareil. Donc, pas factoriser aucun coût, tu gagnes. D'où tu gagnes, ça fait gagner. 3x moins q. Ça va rester peut-être y plus 2p. Bon, je vais refaire un coût parce qu'il est capable de me faire un peu trop vite. Je vais essayer. Alors, par exemple, nous sommes capables de réécrire. Nous mettons l'espace. Tu gagnes 3x moins qy. Là, l'espace plus 6px moins 2pq. D'accord? Commencez ici à se dire. Sorry, là, je n'avais manqué ici. C'est 3xy qy. C'est nous réaliser que pour des numéros là, pour des valeurs là, chiffre chiffre là, y est common. Ça veut dire que pas factorize, c'est common. Common, ça veut dire les paris dans tous les dés. Nous tirons y de haut, nous prenons qui restait. 3x retiré q. Première étape. Ici, nous avons p avec p de commun. Nous avons tiré p de haut. D'accord? Mais aussi, nous avons 6 avec 2. Tous les even numbers, nous avons divisé par 2. Nous tirons d de haut, les communs, tirons 2. Alors là, parce que là, nous avons plus, nous mettons plus là. Nous voyons que ça va rester. Alors, 6 divisé par ça, 6p, p de haut, divisé par 2, fait 3. X resté, retiré, 2 de haut. Et CDO, qui restait. Nous pourrons ça avec ça. Assez nous réaliser, mais ça avec ça, il est pareil. Donc, on va factoriser aussi. Nous tirons ADO, 3x moins Q. Assez, bracket, là, on a Y, nous écrivons Y, on a plus ça, nous écrivons plus 2P. Réponse une ça. Question numéro 17. Passons à question numéro 18. Le diagramme shows a shaded region ABC. Ça veut dire une région ABC qui est une shade de un graphe là. À cette équation de la ligne AC, c'est ça. Ok. Nous allons écrire trois inégalités qui définissent sa région qui est une shade là. Alors, très simple. Par exemple, nous trouvons les bizarres en bas sur la ligne là. Ça veut dire les bizarres en bas, ça veut dire Y, bizarre en bas. Égal moins half x plus 5. Ce qui fait que vous avez égal la cause, là il n'a pas cassé, là il n'a solide ici, il n'a pas cassé la cause. À ce numéro 3, encore sur les 3 inégalités en code D, ça veut dire que vous avez les verticales, les bizarres côté droite. Ça, c'est ça qui est équation. Très simple. Ça équation, les bizarres, c'est x égale moins 4. D'accord? La ligne verticale, ça. Sur l'équation, les x moins 4, il passe le point ici, là. Assez pour qui nous représente sa région, les bizarres côté droite, d'accord, les bizarres plus que ça. Ça veut dire x, bizarre plus grand ou égal moins 4. Assez même logique pour ça là, les bizarres là-haut, ça la ligne ici là. Alors, sur l'équation, pour mes affaires, les bizarres, y égale 2. D'accord? Alors, là-haut, ça,
Du coup, ça, why? Plus grand, regarde le 2. Dans cette question, à numéro 18. C'est passé en question numéro 19. On a A, B, C lie on a circle. C'est un circle, ok? Et que c'est un lie O. The line PBQ is a tangent. La ligne PBQ est un tangent de ce circle là. Il est touché du point B. Le point B. OCQ is a straight line. OCQ is a straight line, ok? Et que BQO c'est 36 degrés. Ça c'est 36 degrés. Et BAC c'est X, X est là. Rôle valeur de X. Valeur de X, le numéro de sa valeur ici. Alors très simple, N pour N. Pour nous avoir fait, nous savons l'information, c'est toi, line de BBQ est une tangent to circle là. Ça veut dire, si c'est une tangent, et que ça les zones avec ça, ça veut dire ça, angle ici, c'est 90. D'accord? Ça c'est une théorie, nous connaissons qui, angle à tangent, si à point là, les zones avec le centre, là, il est 90. Mais là aussi, nous réalisons qu'il y a un triangle OBD. Donc, la somme des angles d'un triangle est 180. Ça veut dire, l'angle ici là, vous avez que ça fait 180, vous tirer 90, c'est ça, 90, vous tirer 36. Donc, 8, 10, 4, 5. Alors, l'angle ici là, c'est 54 degrés. C'est une théorie ici, qui nous connaît, c'est angle at center, les twice the angle at circumference. Ça veut dire, l'angle ici là, les besoin 10 fois l'angle at circumference. On peut dire c, par exemple. Ok? Alors, ça veut dire que ça fait. Ça veut dire, si il disait 10 fois l'angle là, mais sa langue là, il faisait la moitié à l'angle là, d'accord? Ça veut dire la moitié de 54 que ça fait. Et toi? 27. Alors, réponse, c'est valeur de x pour 27. Alors, c'est une théorie ici, des affaires que vous connaissez, quand le tangent touche un circle et que le point collé tout cela, les zones de centre, l'angle ici est 90 pour les affaires. Et là, après, nous avons que l'angle à centre est twice the angle at circumference. Ça veut dire, si ça, par exemple, ça, ça est pour 20. Les 10 fois long ici là, ça veut dire ça ici là, il faisait 10, il faisait la moitié là, tu comprends? La cause à long ici là, les plus gros 10 fois qui sont là, pour une théorie. Alors, si ça c'est 54, il faisait la moitié ici, ça veut dire 27. La réponse pour ici, 19 c'est 27 degrés. Alors, passons à la question numéro 20. Nous faisons rôle inverse de la matrice. Alors, pour rôle inverse, nous faisons d'abord rôle sur déterminante. Ça veut dire 3 fois 2, c'est ça. Retirer. Retirer fois n. Fais-toi. 6, retirer. Retirer 2. Fais-toi 8. Reçu adjoint matrix. Nous faisons sans position à D là. Ça a des mots là-haut, 3 vins en bas. Sans un signe là, à une moins n, ça fait 2. Et finalement, inverse, nous faisons ça, adjoint divisé par déterminant. Ça veut dire. Inverse, il est bien égal à adjoint matrix, ça veut dire ça, divisé par ce déterminant. Donc là, ici, tu ne vas pas simplifier si tu as envie. Par exemple, il y a n log 4, moins n log 8, 3 log 8. C'est question numéro 20. Ok, passons à question numéro 21. The cumulative frequency diagram shows the masses M of 120 eggs. Ça veut dire en tout, il y en a 120 œufs. Et que ça, c'est ce cumulative frequency diagram. Ok, bienvenue dans toi, Marie-Serie. Ça se passe aux questions pour dire. Use the diagram to estimate the median. Median, c'est valeur au millier exact. Très simple. C'est la moitié. Fois nombre de œufs. Donc, 60. 68 elements. On a le graphe. 60e dixième, c'est combien? C'est pour là. D'accord? La ligne droite ici. Et que ça, les pouvines en bas ici. Ça veut dire, ce millième masse, les pour là. Ça veut dire, les pouvines, 58. 58 grammes, c'est ce millième masse.
Ça nous retire interquartile range. Ça veut dire, comme ça fait, nous retire first sur lower quartile. Lower quartile, c'est encore fois 120. Fais-toi que ça fait toi 330. 30th element. Alors, un point, 30e element. Même affaire, nous avons 30 ici, 30 pour besoin ici. Ok. Et que nous avons là. Nous avons la valeur corresponding en bas. Faites 51. Alors, sur la valeur, le lower quartile est 51 grammes. Alors, c'est sur le upper quartile. Faites 3 corps. Fois 120. 120, c'est parce que c'est le nombre d'œufs qu'il y en a. Faites-toi quoi ça fait. 3, faites 90. Alors, pareil, même étape, dans l'onographe, dessine ça. 90, si vous voulez là. Et nous, je vais ça pareil, in the sac. Et nous avons ce corresponding value. Là, tout le monde a fait 70 grammes. Ce range, c'est bien sûr sa distance là. Ça veut dire 70, on va tirer 51. Fais-toi. N, 11 grammes, c'est ça? Interquartile range. Restez passons au point B. Donc, eggs are described as large if their mass is 63 grams or more. Ça veut dire, ben, disait, la résultat, ben, gros disait, que si c'est un point, les plus lourds qui 63 grammes. Ce sont les plus lourds ou égal 63 grammes. Ça veut dire, nous avons dit combien disait qui appelle large. Très simple. Je commence pour mes affaires. Nous voyons le graphe là. 63 quoi était 63 c'est 61. 62, 63 les poulains. D'accord? Je vais essayer de nous aller à droite. Nous allons aller avec nos graphes. Nous venons par là. Et que ce correspondant value, par ici, les venons plus à faire. Nous venons par là. Ça c'est combien? Ça c'est 80. Ça c'est 100. Ça c'est 90. Ça veut dire que ça c'est 92, 14, 96. Ok? Mais là, nous connaissons qui? Combien de F? Nous connaissons, nous avons maintenant l'os s'il est 63 grammes au mot. Ça veut dire s'il y a autant au mot. D'accord? Mais là, c'est pareil. Il n'y a pas autant ici, soit mot. C'est-à-dire la distance ici, là. C'est la réponse. Le nombre des œufs qui appelle l'os, tu peux avoir la distance ici, là. Ça fait 120 en tout. 26,96. Regarde la distance ici là. Ça fait toi N ici 10, t'as 4. Ça fait 11 retiré N, fait à D. Alors en tout, nous avons 24 dizef. Il y a environ 24 dizef. Bon, il dépend de l'autographe. Tu es capable d'avoir 23, 22 dizef. Il dépend de la ligne. Comment on dessine la ligne là? C'est les droites, c'est les travers, il est important. À cette question numéro 21. À cette passons à question numéro 22. Nous avons sauvé l'équation. Alors, 27 par au cas. Pour mes affaires, nous avons converti les mêmes bases. Par exemple, nous connaissons 27 c'est 3 par au 3. 9 c'est 3 par au 2. Alors, comme cette base est pareil, nous pouvons faire cancel. Donc, nous gagnons 3 par 3, 4, 3 cas sur 8 égale D. K égale D le 3. Alors, c'est pas activé. Simplifier ça. Nous pouvons avoir les négatifs, mais pour mes affaires, nous faisons c'est nous invertir. Nous faisons X en monte là-haut. Ça va amener en bas. Comme ça, nous pouvons avoir le point positif. Alors, ça nous simplifie. Ça fois ça, fait quelque chose à faire. Fait ça. Ça, 8 fois N local, fait ça D. D'accord? Alors, ça, 16. 16, qu'est-ce que ça fait? 16, nous allons connaître, bien sûr, 2 fois 2 fois 2 fois 2. 2 fois 2, 4. 2 fois 2, 4. 4 fois 4, c'est 16. Alors, c'est D. Ça pour, bien sûr, 2 par 4. C'est 2 par 4 fois 1 local, fait à 2. Réponse 1. Ça, ça suffit. C'est parti B. C'est parti 23. Now, y is inversely proportional to ça. Ça veut dire y est inversely proportional to ça. Nous réécrivons y, nous sommes en fait une égale. Nous avons une constante là-haut. Nous avons une constante là-haut, proportionality, divisé par x plus n square. Alors, ça veut dire quand y, quand x égale n, nous remplacer là-dedans, y égale 5, à 5 égale k, n plus n fait 2, 2 par 2, 2 par 2 c'est 4. Alors, k c'est le cross multiplié de 20. Nous relevons les deux k, k c'est 20.
On remplace ça donc, on a y égale 20 divisé par x plus n square. Alors, si on veut dire find the value of y, when x égale 9, on remplace ça donc. Alors, y pour égal que ça fait 20 divisé par x plus n, c'est 10 square. Square là-haut. Ça fait 20 divisé par 100. C'est 0,2. La réponse de y, c'est 0,2. Question numéro 23. Passons à la question numéro 24 à Steve. Une f of x égale sa équation là. Une g of x égale à l'équation là. À cette partie-là, nous avons find f of 3. Ça veut dire que nous avons remplace x par 3 qui arrive. 2, x par 2 c'est 9, plus 7 fois 3, plus 4, 4, et 18, plus 21, plus 4, ça fait 25, d'accord? Et 18 plus 25. 8 plus 5 fait donc les affaires. 8 plus 5 fait toi 13. N plus amour de là-haut. N plus D fait toi 3. 3 plus 5 fait toi 4. 43. 43, c'est réponse partie A. Partie B, code G inverse. Pour G inverse, c'est très simple. Il fait let y égale 2x plus 6. À ça, nous allons faire x min subject en formule. Ça veut dire que nous avons ça par là. Donc, ça rechercher 6. X égale y moins 6 divisé par 2. Finalement, bien sûr, g inverse en termes de x, nous écrivons sans y là, mais les x divisé par 2. À cette partie B, sauver l'équation là, nous faisons un problème. F of x, c'est ça, nous écrivons là, bêta, 2x square plus 4, retirer 2x plus 6 égale n. Alors, un point. 2x square, c'est 2x square. 7x retiré 2x, c'est toi. Plus 5x. 4 plus 6, c'est 10, moins n, c'est plus 9. D'accord? Assez bien sûr, nous avons besoin de factorize pour solver sa équation. Alors, nous sommes factorisés. Regardez qui nous gagne. Moi, j'ai, c'est. Moi, j'ai. Enfin, rien ici, en fait, c'est parce qu'il a retiré ici, c'est un produit pour mettre un bracket. Et pour moins 2x, moins 6. Qui fait? Parce que, vous voyez ici, il y a moins g of x. Ça veut dire, moins g of x, c'est 2x plus 6. Et toi, moins 2x, moins 6. Alors là, vous allez mettre moins. Alors, 4 retiré, 6, fait toi, moins 2. D'accord? On va ça ici, fait toi, moins 3. Alors, ça fait moins 3. Je suppose qu'il y a 2x square plus 5x moins 3. Égale 0. Factorize. Nous prenons 2x là et x là. 3 c'est bien sûr 3 fois n. Donc 3 fois n. Pour que plus 5 nous besoin là. Plus 6, retire n. Alors x égale half. X égale moins 3. Réponse, x égale moins 3. Et half. Bon, factorize, on qu'on factorize par bracket. Si tu vas connaître, on va passer à la formule là. Formule à suivre, les besoins disponibles dans notre formule à suivre pour apprendre. Mais ça, c'est très simple. Alors, dx, la dx, nous connaissons, dx square, c'est 2x fois x. OK, ça, c'est la première étape. 3, c'est bien sûr 3 fois n. Nous besoin distribuer ça de façon qu'on divine. Plus 5. Alors, plus 5 fait ça. Plus 6, moins n, plus 5. Alors, ça, tu finis factorise, tu reviens à 2x. Donc, c'est ça. Assez, passons à question numéro 25. Ah, finalement, il y a une question. Ouh. Alors, 40 students take part in three activities, art, dancing, and gardening. OK? 5 do not take part in any activities. Alors, 5 pas fait, non, yeah? 5 une vidéo. OK? I said 12 do only art. Ça veut dire faire seulement art. 12 mettre là. 4 do dancing and gardening. Dancing and gardening. But not art. Ça veut dire ici, niveau 4. OK? 1 does all three, ça veut dire n, il fait tous les trois, mais là. Ok, ça c'est l'information maintenant dans la question numéro 25. Ah, c'est une partie A, complete the Venn diagram, nous venons compléter, correct. Ah, cette question c'est partie B, qu'est-ce que ça veut dire? Partie B, on the Venn diagram, de toi, the ratio is x, y, z, alors x, y, z, les n, les 3. Nous avons le valeur de x, y, z.
Alors, quand on voit ça, nous avons une information qui nous est là. Pour nous voir ça, XYZ là. Nous avons une information qui nous donne nous. L'entrée n'est pas simple. Nous devons essayer de comprendre ce qui peut arriver. Alors, par exemple, le ratio de XYZ. Alors, X, Y avec Z égale N, 2 avec 3. Ça veut dire, par exemple, nous connaissons X égale N. Mais si y est d fois x, ça veut dire, nous pouvons safely say that y est 2x. Et même logique, nous pouvons safely say que z est 3x. Ça veut dire, si nous ajoutons tout là-dedans, nous supposons qu'il y a 40. D'accord? Ça veut dire, nous ajoutons ça. 12 plus n, sorry, n plus 4 fait 5. 5 plus 5 fait 3, 10. 10 plus 12 fait 3, 22. Alors 22, plus les restes, plus 0, plus x, plus y, plus z, supposé fait toi, valeur de 40. Parce que ça, c'est le total nombre de students. D'accord? Si nous remplaçons dans ces anagones, par exemple, d'après un ratio, là, nous restons réalisés qui x, x, nous faisons x, par exemple, nous connaissons y les deux fois x, nous faisons 2x. On écrit ici, et pour 22, plus x pour mes affaires, y pour 2x, z pour 3x. Et que ça est supposé donner toi 40. Ça me fait x plus 2x fait 3x, plus 3x fait toi 6x, égale 40 moins 22. 6x égale quelles affaires? 40 moins 22 qui fait toi 3 ici, 10 fait 8. Divisé par, sorry, 3 retiré d fait toi n. Alors, réponse est 18. X fait toi, 18 divisé par 6 fait toi 3. Alors, x pour 3. Y, l'époux, 2 fois x, ça veut dire l'époux, 6. Z, l'époux, 3 fois x, fait toi, valeur 2, 9. Alors, c'est x, y, z, l'époux, 3, 6, 9. Alors, c'est question partie, partie B. C'est passant en question partie C. Un subset in the Venn diagram has no students. Ok? D'où vient ici? Ça, c'est ici là, dependent students. Alors, comment tu peux décrire cette là avec cette notation? Alors, très simple, n par n. Quand on voit ça, nous connaissons. Ça, c'est le nombre d'étudiants qui. Bon, pas nombre. Ça, c'est ici là, c'est les affaires. C'est l'intersection A avec G. Mais pas avec ça. Alors, l'I A intersecting G, d'accord, pour mes affaires. Mais l'I intersecté DO, ça D là. DO, c'est ça. D'accord? N point. Pour mes affaires, A intersecting G. Donc, il y a ça entier là. Mais ça dit seulement DO, vous intersectez DO à D là. DO à D là. Ça provient de ça. Voilà, ça c'est partie C. À cette partie D, le nombre d'élèves de D union G. Alors, un point. D union G. Ça, avec ça, entier ensemble. À cette intersecting A. C'est-à-dire ça. Et ça. Intersecting A, vous avez seulement ça. D'accord? Un point. Bon, ça, avec ça. Il y a A, D avec G. L'étape N, c'est D union G. Alors, D ensemble avec G. L'étape numéro 1. Assez, l'étape numéro 2, c'est intersecting. Intersecting only. Ça veut dire A là. Seulement la région ici là, c'est qui est intersecté A là. D'accord? C'est ça, la région ici là, qui touche avec A. Alors, réponse c'est pour avoir un numéro ici là. D'accord? On va compter assez. X, c'est combien? X, c'est 3. Alors, 3 plus n, c'est 4. 4 plus 0, c'est 4. La réponse, partie D, c'est 4. Ça, c'est la question numéro 25. C'est la question papier ND là. Et que, bien sûr, c'est la question. Pas oublier de laisser un commentaire en bas. Mais on va répondre aux autres qui est possible. Sinon, j'espère que vous aurez compris un peu. Et je me retrouve dans la prochaine vidéo.